Allô tout le monde, j'ai reçu un beau petit collier qui vient, si je ne me trompe pas, de Ross Chocolate. Vous savez, les bons chocolats, faibles en glucides, assez clean. Faut faire attention, toujours la collection Stevia pour les kétos de ce monde. Fait que, c'est quand même assez passionnant, mais je sais qu'il y avait de la glace. Petite tranche de vie, ce colis a été envoyé sur glace, à ce qu'on m'a dit, mais... Il y a comme eu un problème avec la livraison, fait que là, ça fait à peu près, d'après moi, 7 jours qu'il est sur la glace. D'après moi, la glace est fondue avec les 40 qu'il faisait. Fait que d'après moi, le chocolat doit être un peu fondu aussi, mais on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ça pourrait être très drôle. La glace. Et comme pas mal fondu. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Encore la glace, Fran. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! Je vois, j'ai aucune idée de ce que c'est. On va regarder ça ensemble. Et les fameuses pépites de chocolat, j'avais vraiment hâte de les essayer. J'ai dit, on doit faire le test de goût, on fait ça loulou. Même petit. Alors, test de goût des pépites de chocolat de Rust. Suite à l'envoi qu'ils m'ont fait. Écoute, je veux vraiment y faire honneur. Là, je vais y goûter de même, mais je vais essayer de faire une petite recette de biscuits au chocolat. Pépites de chocolat dans l'air fryer. Là, cette affaire-là, c'est divin. J'ai déjà fait la vidéo, fait cliquer en bas. Mais après moi, ça risque d'être pas pire cochon. Fait qu'on va y goûter drette de même. On va checker en même temps s'ils ont pas bien fondu. Je sais pas s'ils sont encore en pépite. Ah, ben oui. Regardez. Ils sont quand même très belles. Ah, c'est des grosses pépites quand même. C'est pas des petites pépites. Tant que je n'en prends rien qu'une, ils sont collés. Ils sont molles en plus parce qu'ils sont chauds, je pense. Ben, je pense pas. Ben, je vous dirais que ça se mange de même. Des biscuits, ça va être cochon. En tout cas, je vais vous revenir avec la recette à m'amener. Puis là, on va checker ce qu'il y a là-dedans. Tantôt, j'ai dit le gerbois, mais je pense que ça s'appelle plus le gerbois. Hein. J'ai eu, ça fait gerbois. J'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, je pense que c'est peut-être une nouvelle gamme de leur chocolat ou une gamme dans leur compagnie. Mais pour vrai, waouh! Ils n'ont pas lésiné sur la quantité. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À 8 barres de chocolat, c'est pas dans cette histoire-là. Mais on va égoutter direct là, le gerbois. Regardez comment c'est beau. C'est comme... Sont-ils tous pareils? Oui, quand même. Là, je pensais que c'était peut-être un coffret. Ah oui! Effectivement, ils sont pas tous pareils. OK. Je pense qu'ils nous expliquent... Oui! Claude Monet. Ah, oh, c'est bien cute! Ils nous expliquent c'est quoi là-dessus. C'est vraiment cute. On en a-tu d'autres? Ah oui, ils sont tous presque différents. Regardez. Ta-ta-ta. Hey, mon Dieu, c'est bien cute, cette collection-là. C'est-tu toute la même chose? Chocolat noir. Oh! Chocolat amande cerise. Chocolat noir, chocolat noir. Oh, chocolat au lait. Oh my god, c'est vraiment un coffret. Mon Dieu, j'étais énervée. Je pensais que c'était du chocolat noir, tout noir. Caramel, café. Puis, qu'est-ce qu'on a? Chocolat noir, amande cerise. Mon Dieu, il y en a comme deux de chaque. Je sais pas lequel. Par lequel commencer? Savez-vous quoi? C'est vous qui allez me dire lequel je vais goûter en premier. Fait que amande cerise, caramel, café. Voyons, je vais vous le montrer. Caramel, café, chocolat noir, chocolat au lait. Fait que là, il y en a quatre saveurs, je pense. Oui, c'est ça. Fait que, voyons, il y a du bonbon. Bon, alors, je suis comme tout énervée. Fait que lequel que je goûte en premier? Entre chocolat au lait, chocolat noir, chocolat, voyons, chocolat noir, caramel, café, puis chocolat noir, amande cerise. Lequel que je goûte en premier? J'attends ça dans les commentaires pour faire le prochain test de goût! Bye!